Bienvenue dans votre chaîne Top 10 SN. Aujourd'hui dans ce numéro, nous allons vous montrer les pays les moins connus dans le monde. Que pensiez-vous de passer les vacances dans un pays inconnu? Nous vous avons listé les 13 pays les moins populaires, ceux dont vous n'avez jamais entendu parler. De quoi éviter les hordes de touristes déchaînés cet été. Et en mettre plein la vue à vos collègues, à la rentrée, devant la machine à café. Numéro 1. République des Kiribati, pays inconnu d'Océanie. Qu'on se le dise tout de suite, l'Océanie est le fournisseur officiel des pays inconnus au bataillon. La République des Kiribati en est le premier sur la liste. C'est un charmant archipel pacifique, dans tous les sens du terme, composé des îles Gilbert, Phoenix, de la Ligne et Banaba. Autre particularité, vous pourrez par exemple visiter sur l'île Christmas, Banana, Pologne, Paris ou encore London. 2. Encore une république, celle d'Érythrée, en Afrique de l'Est. Située dans la Corne d'Afrique, cette petite république est souvent moins mise en lumière que sa voisine l'Éthiopie, plus touristique. Et pourtant, la culture et les paysages de ce pays inconnu valent le détour. Ses côtes, mer Rouge, sont notamment très connues des plongeurs pour leur beauté. Les amateurs de randonnée apprécieront également ces hautes montagnes, et ceux qui préfèrent rester en ville, seront subjugués par l'architecture aux influences turques, égyptiennes et italiennes. Numéro 3 Tokelau, les atolls à durée limitée. Ce minuscule archipel situé au nord-est de Wallis et Futuna, peuplé de 1300 âmes, peut s'enorgueillir d'être le pays qui possède le plus de noms de domaines, c'est-à-dire de sites internet. 31 millions de TK à travers le monde, contre seulement 3 millions en France. Mais ce pays inconnu a aussi autre chose à faire découvrir que sa culture numérique. Ces trois atolls sont bien évidemment des destinations paradisiaques avec leur faune et flore incroyables et leurs traditions polynésiennes ancestrales. Si vous voulez y aller, réservez votre billet tout de suite, car ces îles étant peu émergées, il est très probable qu'elles viennent à disparaître avant la fin du siècle. 4. République d'Artsakh, un pays ou presque. Intégré à l'Azerbaïdjan pendant la période soviétique, la République d'Artsakh, ou du Haut-Karabakh, au choix, est depuis en guerre pour obtenir son indépendance. Ce pays inconnu ne l'est pas pour rien, il est autoproclamé. De majorité arménienne, il a tout d'une vraie nation, sauf la reconnaissance du monde. Jusque-là, seuls quelques villes et états américains reconnaissaient l'existence de la République comme pays à part entière, et il paraît que ça n'ira qu'en progressant. Numéro 5. Nauru, la plage avant tout. Selon les linguistes, Nauru pourrait signifier en nauruan « je vais à la plage ». N'est-ce pas magnifique? Mais n'allez pas croire que les habitants de cet état insulaire de Micronésie ne font que bronzette sous les cocotiers. Si vous choisissez ce pays inconnu pour vos prochaines vacances, vous pourrez également visiter ses plateaux volcaniques, faire de la plongée, assister à une réunion de députés à la maison du Parlement, admirer ses nombreux ports, ses lagunes et ses anciens bunkers japonais. 6. Le Kirghizistan, pays inconnu d'Asie centrale. Plusieurs autres pays du club des Stan pourraient d'ailleurs figurer dans cette liste, le Tadjikistan, le Turkménistan, mais nous avons choisi celui-ci, le moins connu de tous. Que faire et que voir dans ce pays inconnu? Nation d'Asie centrale par excellence et anciennement soviétique, le Kirghizistan offre aux voyageurs en quête d'aventure loin des sentiers battus, ce qu'ils attendent. La culture locale est surprenante. Peuple semi-nomade vivant dans des yourtes, les Kirghizes ruraux tirent leurs revenus de l'élevage équin et ovin. Ses habitants ont la réputation d'être très chaleureux, un bon point pour qui veut se faire des amis au bout du monde, entre deux randonnées en haute montagne. 7. Le Liechtenstein, principauté européenne. L'hiver prochain, plutôt que les Alpes françaises ou suisses, pourquoi ne pas plutôt aller skier au Liechtenstein? Si vous vous demandez où ce pays inconnu au nom imprononçable se situe, vous serez surpris de découvrir qu'il est très proche. Cette minuscule principauté, moins connue que Monaco, est enclavée entre le deuxième pays du chocolat et l'Autriche. Vous pourrez y découvrir sa charmante capitale, Vaduz, aux allures de village tranquille et son château princier sur les hauteurs de la ville. Les Liechtensteinois vouent un culte pour leur famille royale proche de celui de nos amis d'outre-Manche. C'est l'occasion ou jamais de rapporter à votre belle-mère une superbe assiette en porcelaine à l'effigie du prince Ansadan. 8. Le royaume d'Eswatini, pays inconnu d'Afrique australe. Son nom ne vous dit rien. C'est la nouvelle appellation du Swaziland. Toujours rien. Quel dommage.
Ce pays inconnu, entouré par l'Afrique du Sud sur la quasi-totalité de ses frontières, est négligé des touristes au profit de la nation arc-en-ciel, voisine. On l'appelle aussi la Suisse africaine, pour la beauté de ses montagnes, avis aux randonneurs, et sa tranquillité. Venez y découvrir ses paysages à couper le souffle, ses parcs nationaux et sa culture préservée. 9. Brunei. Un sultanat où règne la mixité. Le sultanat de Brunei, en Asie du Sud-Est, se partage l'île de Bornéo avec l'Indonésie et la Malaisie. Ce petit pays inconnu où siège le sultan le plus riche du monde possède un mode de vie qui gagne à être découvert. À la croisée des chemins entre Malaisie et Chine, avec une population à majorité musulmane et une forte immigration indonésienne, indienne, thaïlandaise et philippine, Brunei est un état prospère où règne la mixité culturelle. Cohabitation que l'on retrouve aussi dans l'assiette, avec une variété gastronomique peu commune. Une autre, bonne raison pour partir à la découverte de ce royaume insulaire. 10. Saint-Marin, à quelques kilomètres de la France. Autoproclamée, la Sérénissime République de Saint-Marin, est entourée par l'Italie, c'est la plus ancienne république du monde. Pas étonnant que ce micro-état soit un pays inconnu, puisqu'il est aussi l'un des plus petits, 60 km carrés. Que voir ? Ses châteaux, son architecture, ses basiliques et églises romanes. Que faire ? Profitez des saveurs locales dans un bon restaurant ou partez à la découverte des sommets de l'Apennin. Une escapade aux saveurs italiennes avec un petit goût d'inconnu vous tente. C'est par là que ça se passe. 11. Tuvalu, un paradis menacé. Petit archipel polynésien du Pacifique oriental, l'état des Tuvalu a la réputation d'être le pays le moins touristique du monde. De quoi profiter de l'eau turquoise, des récifs de corail et des plages de sable blanc pour soi tout seul. Tout comme son voisin le Tokelo, Tuvalu ne devrait pas survivre au réchauffement climatique, et en particulier à la montée des eaux. Réservez dès maintenant vos vacances au paradis. 12. Sealand, un pays inconnu sans terre. La plus petite nation du monde est bien sûr un pays inconnu. D'une superficie de 550 mètres carrés, Sealand ne compte qu'entre 1 et 5 habitants selon le moment de l'année. Et pour cause, cette principauté est en réalité une plateforme aquatique en fer, à l'origine forteresse militaire de la Seconde Guerre mondiale, implantée dans la mer du Nord à 5 km des côtes britanniques. Elle possède son propre roi, l'excentrique qui a décidé d'en faire un pays, son drapeau, sa monnaie, son passeport, sa constitution, ses timbres et même sa propre équipe de foot, cela va sans dire que tout le monde s'y met. Vous pouvez également payer une coquette somme en échange d'un titre de noblesse. Vous n'y croyez pas. Allez donc voir par ici. 13 Niue, toujours en Océanie, un des plus grands atolls coralliens du monde, avec des falaises escarpées et les restes d'un lagon en son centre, le « rocher du Pacifique » est une véritable perle en son genre. Exit les plages et les vagues de touristes, ici, les visiteurs sont limités et il n'y a pas de rivage à proprement parler ou faire bronzette. À Niue, l'ambiance est plutôt à la rencontre des baleines, aux photos de voyages incroyables et à la chaleur de ses habitants. De quoi faire rêver plus d'un explorateur en herbe qui souhaite découvrir un pays inconnu. Merci d'avoir regardé la vidéo.